je mets ici, ça va. Putain, tu sais, sur la vidéo, j'ai remarqué qu'à mon avis, le capteur, il faut le mettre avant. Ben oui. Mais beaucoup. Là, c'est blanc, là, parce que j'ai l'impression quand je tirais, tu vois. Non, alors, ça fonctionne l'angle. Moi, en fait, quand je le mets, au niveau du ballon, c'est pour que tu aies le repère de la de truc. Et après, je le tourne comme ça. Donc, en fait, il te prend quand t'arrives ici. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais. C'est un peu le même rituel, hein. C'est placer le ballon, les pas en arrière, le pas de côté, et puis après on essaie de choper le troisième mec. Si ça passe au-dessus du troisième mec, normalement. C'est fini les vieux mannequins de 1m50 qui bougent pas et qui sont faciles à passer au-dessus. Alors qu'en match, les mecs quand ils sautent, ils sont quasiment à 1m80, 2m, donc c'est plus réaliste. Et surtout, le mur, il bouge pas. Cette machine, c'est comme la réalité. Les mannequins, ils sautent. En plus, ils sont aléatoires. Ça dépend. Il n'y a que le premier, le deuxième qui peut sauter ou on choisit. C'est très dur à anticiper. C'est comme un match. Hein. Tu sais pas où il va la mettre. Généralement, en plus, je rajoute deux mecs de chez nous devant le mur. Ce que je veux pas, c'est qu'ils voient le départ du ballon. Parce qu'après, s'il voit pas le départ et que c'est cadré, c'est tellement près qu'il a peu de chances de réagir. Et même s'il la touche, je pense que ça rentre à cette distance. Surtout Jim Payet, c'est pas un tireur de coup franc, c'est Dimitri Payet. Il change tout le temps, tu sais pas s'il va frapper côté ouvert, s'il va enrouler. Non, il est aléatoire ce mec. Le mur, il est aléatoire et le mec, il est aléatoire aussi. Eh oui, mon cochon! Eh oui! Tu vois, là, quand ça tape la tête du mur, c'est réel parce que c'est compliqué. Parce qu'en match, contrairement aux anciens murs, là, des fois ça tapait le truc, mais ça rentrait quand même. Là, c'est costaud, donc c'est vraiment réaliste. J'essaie de faire au moins une fois par semaine. Après, quand on a beaucoup de matchs, c'est compliqué parce qu'on est en récup quasiment entre les deux matchs. Mais une fois par semaine, c'est bien parce que les coups francs, il n'y a pas de secret. C'est que le travail, que la répétition pour trouver le geste parfait. Ouais, c'est ça. Et voilà, je l'avais dit, la GoPro. C'est que le travail. Après, bon, il va avoir une qualité de frappe aussi. Mais vraiment, je pense que n'importe qui avec de l'entraînement, c'est vraiment une répétition, un geste, un rituel. C'est que du travail. Après, voilà, c'est la confiance aussi. Quand on en met un, deux, trois, des fois on est en confiance, des fois un peu moins. 4-5 fois, il met un but, c'est normal. C'est pour ça que ça dure longtemps le tournage. J'attends que je marque. Redescendre un peu, tu vois, c'est un peu le but. Depuis la barrière, nous ils ont fait. Mais pas claro, vous. Claro. Pas vous. Il y a combien de buts en Ligue 1 ici là? Il y a combien de buts en Ligue 1 là? Ça lui va? Tiens, c'est bien comme ça, tu auras les professionnels et les amateurs, tu vois. Délétère, maté. Les ballons de la Coupe de France, ils sont beaucoup plus légers. Ça part plus vite que les ballons de championnat. Selon la compétition, c'est vrai qu'il faut travailler avec les ballons concernés. Je me suis entraîné moi aussi et je mets un magnifique coup franc. Parce que la machine, après, je la connais, je sais lesquels ils sautent. Et je sais au moment où il faut frapper. Et le gardien, il voit pas et c'est mort. Le gardien, c'était Jim. Ouais, et le gardien, c'était Jim, c'est vrai. Et voilà, je prends un peu de Jim, de la poudre. Tu m'arranges les images toi là-bas. C'est une révolution dans la façon de travailler les coups de pied arrêtés, que ce soit pour les gardiens même, parce que c'est un vrai mur, c'est un mur qui saute, c'est un mur qu'on peut régler, qu'on peut mettre haut, qu'on peut mettre plus bas, qu'on peut faire sauter aléatoirement. Aujourd'hui en plus avec les distances qui sont plus ou moins respectées avec le spray, je pense que c'est une machine qui va nous amener pas mal de beaux coups francs dans les années qui viennent. Rejoins la communauté OM sur YouTube. Abonne-toi en cliquant ici.